C'est Dicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Thank you.
joie. Oui, nous avons vécu une expérience spirituelle très riche en grâce, car ça nous a permis de revoir notre relation avec Dieu par cette marche spirituelle avec le Saint-Sacrement. Et c'est vraiment avec joie que je m'exprime sur la procession avec le Saint-Sacrement. Oui. Qui aurait dû être faite à la fête Dieu, mais la fête Dieu coïncide avec la célébration des sacrements de la première communion, les sacrements de l'Eucharistie pour les enfants et de la confirmation dans le doyenné Nord et pour la première communion dans tout le diocèse. Alors, cette marche a été reportée, cette procession solennelle a été reportée au dimanche après la fête Dieu. Tout le monde s'est engagé et ça m'a aidé à découvrir cette dimension très riche des paroissiens qui consiste à s'engager pour une cause commune. Et chacun s'est senti concerné dans ce jubilé, une affaire de tous. Et ça a été vraiment une réussite pour toute la communauté paroissiale. Et nous rendons grâce à Dieu et je remercie tous les fidèles qui se sont engagés à bien organiser ce cinquantenaire. Et nous attendons les grâces de cette célébration, les grâces spirituelles, mais aussi des grâces matérielles, surtout dans nos relations interpersonnelles, dans notre vie familiale. Ils ont eu de beaux souvenirs, le dispensaire, l'eau, même le courant, et ils ne cessent de le répéter à tous les visiteurs du village, que vraiment, ils ont eu l'eau, ils ont eu le dispensaire, ils ont eu le courant, même le téléphone, grâce aux prêtres, grâce aux prêtres sacramentins, aux prêtres de la paroisse. Et jusqu'à présent, nous continuons à faire de belles œuvres, des œuvres sociales pour la population. Bon, je dis merci à tout le monde et je rends grâce à Dieu qui nous a permis vraiment d'organiser de manière solennelle, de clôturer de manière solennelle ces 50 ans. Et nous demandons au Seigneur de continuer à nous assister pour d'autres événements paroissiaux, pour sa plus grande gloire et pour notre salut.